On est samedi, 10h52. Chassé et croisé au tunnel de Fourvière. Ça fait un petit peu de monde. Ils vont vraiment, mais vraiment en avoir pour des plombes. On est arrivé, on va aller récupérer la bête. Allez, on est reparti. Test numéro 2 de la Tracer 700. Alors, on va commencer par un petit point sur la première vidéo qui a été faite. La bulle, elle est réglable. Et ouais, quand on a une MT-07, une bulle non réglable, on n'a pas l'habitude. Donc là, elle est un peu surélevée. Donc c'est déjà un premier point. Première sensation de départ. Bah, comme la dernière fois, je me sens bien. Pendant 3 heures, donc ce qui va me permettre de vraiment me faire une idée beaucoup plus approfondie que le premier test que j'ai pu réaliser. Donc là, je suis avec quelqu'un, donc on fait un double essai. Donc moi, je suis sur la Tracer 700 et lui sur la VR 6000. Sensation, bah, toujours aussi bonne. La bulle fait tout son effet, j'ai rien dans le casque. Donc on est parti pour ces 3 heures de test et de balade. Ah, elle a quand même du répondant, hein. Dès que t'es au-dessus des 6000 tours, si tu tapes un peu dedans, l'envoi. C'est vraiment un bon moteur, c'est ça que j'aime bien. En instantané, là je suis en 5, je suis à 3,6. 3,5. Je suis pas mieux que le temps au-dessus de la selle. Enfin, je trouve que pour une selle d'origine, elle est vraiment bien. Attention, 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 attention. Putain, ils sont mieux de la route, putain. Tu regardes avec des yeux étonnés. Oh, il y a quelqu'un. Mais c'est sympa, par contre. Enfin, quand t'as le soleil derrière, l'angle du compteur, t'as le reflet dans la queue. Bon, l'essai est terminé. Donc 3 heures de route, un bon 140 km d'essai. Sensation, bah, toujours identique au niveau de la position de conduite, je suis très très bien. Au niveau des jambes, nickel. Bon, par contre, ouais, c'est bien
Ce que je craignais, mais je m'en doutais un petit peu, au niveau de la selle. Donc, premier essai d'une demi-heure, la selle était confortable. Le reste, mais on a quand même des petites douleurs après 3 heures de route. Mais bon, ça, j'ai tendance à dire, comme toutes les motos, comme toutes les selles, un peu d'origine. Et on va voir. Pour l'instant, je me tâte, je ne sais pas encore. Donc, on verra bien. Je vais vous laisser sur ça. Et puis, je vous dis à la prochaine. Prendra, prendra pas. Prendra, prendra pas. Prendra, prendra pas. Prendra, prendra pas. Oui, non. Oui, non.